La Minute Déco avec Maud. Bonjour à toutes et tous. Si je vous parlais déco, oui, comme toujours me direz-vous. Toutefois, parlons de déco éco-responsable. C'est un mode de vie davantage raisonnable pour l'environnement. Avec les changements de mode, le marché explose, et les déchets aussi. Même si on choisit de vendre ou de donner, ils finiront toujours par être jetés un jour. De nos jours, les éléments déco éco-responsables sont très tendances et variés. Allez, on s'y met. Nous savons tous que bien souvent, ces éléments sont plus coûteux. Toutefois, c'est un bon investissement, car ils sont de bien meilleure qualité. Sachant qu'ils durent plus longtemps, il ne faudrait pas s'en lasser. Donc choisissons des objets avec des couleurs neutres. Il est possible de faire travailler l'artisan local. Certains proposent même de faire du sur-mesure. Le must, c'est le « do it yourself ». À partir d'objets de récup, des caisses de bouteilles de vin en étagères à livres, des palettes en canapé, en tête de lit ou encore en patère pour une entrée, des parpaings en table de nuit, je suis pas fan, mais pourquoi pas, des tiroirs en étagères pour la salle de bain, les canettes de soda repeintes pour des pots à crayons, et je terminerai par les bouchons de liège en dessous de plats. Les idées sont nombreuses. Voilà. Allez, je vous propose de nous retrouver sur madeco.maison et c'est à vous, décorer. Retrouvez la Minute Déco sur itswanradio.com.